Salut à tous, Passo971 pour le blog Geeky RC. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un aperçu rapide de nouvel accessoire. Donc c'est un casque Bluetooth, c'est le Melody SuperTooth. Donc, compte tenu de la boîte que j'ai déjà ouvert parce que c'est beaucoup plus simple, hein. Donc on a bien sûr le casque. On a quelques accessoires avec. Donc ça, j'adore. C'est la pochette de rangement, donc qui vous permet de le prendre partout avec vous sans endommager. On a le mode d'emploi en plusieurs langues. Et on a l'embout qui sert au rechargement. Donc là, on a un petit embout spécial, hein. Donc malheureusement, vous pouvez l'utiliser qu'avec le casque. Et un autre embout USB. Donc ici, on a notre casque avec nos écouteurs qui sont amovibles. Hein. Donc ça sert pour le transport, bien sûr. On a deux côtés spécifiques. Donc ça, j'ai envie de le mettre en avant. On a ce côté-là qui sert plus pour la recharge, parce que là, on a une petite LED, donc un petit indicateur. Ici, on a là où se met l'embout spécial, et l'indicateur vous indiquera le niveau de charge. On a ce côté-là, donc, qui est plus dédié à l'utilisation, donc avec ici le microphone, parce que vous pouvez le connecter à votre téléphone pour pouvoir passer des appels. Bouton plus et moins, donc ça c'est pour le volume. Donc ça c'est le bouton de mise sous tension, mais c'est aussi un bouton multifonction, donc je reviens dessus tout de suite. Le bouton du haut, on a play et pause, avance et retour. Donc le bouton multifonction, donc en plus de mettre le casque sous tension, il sert aussi pour l'appareillage quand vous voulez connecter à un nouvel appareil Bluetooth, c'est-à-dire soit ordinateur, tablette ou téléphone. Il y a des petites indications dans la notice aussi, donc avec un appui long dessus. Ça vous permet de rappeler automatiquement le dernier numéro que vous avez composé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est ce qu'on demande d'un accessoire sans fil, hein, c'est-à-dire de laisser votre téléphone dans votre poche et de tout piloter grâce à ça. Et deux appuis sur ce bouton, ça vous permet d'activer la numérotation vocale. Donc c'est-à-dire, encore une fois, vous laissez votre téléphone dans votre poche et vous pouvez composer n'importe quel numéro. Donc je vais vous mettre des photos dans le test histoire que vous ayez un meilleur aperçu de tous les ports et les connectiques. Et fête de fin d'année oblige. Donc je vais vous mettre aussi les conditions pour pouvoir le gagner. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à bientôt sur le blog Geek IRC. Salut!